Les poings. Ah mais t'as une tête. Ah. Je crois que j'ai passé. Je suis passé devant toi là. Aujourd'hui, journée VIP avec Lolo, Laurent Mangel, l'ancien coureur vainqueur des courses à l'appel. On est chargé d'escorter les invités FDJ et de leur faire passer une journée un peu inoubliable, quoi. Ouais, alors comme tu l'as dit, on escorte. Donc on escorte. On t'a pris toi par rapport à ton gabarit pour être escorte. Yeah, ça j'aime l'idée. C'est pas trop lourd, ça va, t'as l'air d'un si, c'est trop lourd. Et, question, la voiture, elle est encore loin? Je sais qu'il y a du malaise, là. Alors, arrête. Ah, c'est bon, c'est... Je respire et ça repart. Oh, Laurent Mangel, c'est écrit dessus. Il a sa voiture spéciale. Oh, la classe. T'aurais pu mettre un petit stagiaire aujourd'hui. Hein. C'est un champagne d'Utrecht. On se moque pas de vous, quand même. Oh, putain, c'est parti, là. Oh, mais... Oh, là, merde. J'ai même pas fait exprès de le garder dans la main. À la FDJ. Forever. Tout va bien se passer, le groupe. Ça se passe comment alors, Alex, aujourd'hui pour nous là? Vous montez dans l'hélico, ouais. Vous mettez vos ceintures, très important c'est les ceintures. Hein. Ouais. Et ensuite, bah, vous priez, vous pleurez, vous vomissez s'il y a un besoin, on vient juste de manger. Ouais. C'est bon, ça se coupe, c'est comment? Non, c'est une question de mental avant tout, c'est comme le vélo, tu connais. Les parachutes, il n'y en a pas. Donc ça, c'est bon. Parce qu'on m'a dit qu'on était 5, mais il y en avait 4 de parachutes. Alors au dernier moment, on est sur. Mais le pilote n'a pas de parachute. Le pilote, c'est comme les capitaines de navire, ils coulent avec leur bateau, ils coulent avec leur avion. À toutes! Bon courage! On s'appelle! Alors ça fait quoi de dominer le Tour de France comme ça? Bah ils avancent pas. Hein. Ils avancent pas? Ouais, t'as l'impression qu'ils sont arrêtés, ils roulent à 20 à l'heure. Quoi. T'aurais pas dû arrêter. Allez, 2 supporters de gagner, 3 supporters de gagner, 4 supporters de gagner. C'est pas trop stressant de conduire quand t'as du monde comme ça, avec des gens qui peuvent traverser, des enfants, la caravane vient de passer, ils sont énervés? Si, si, malgré ce que tu peux penser, c'est assez usant et assez fatigant parce que toute la journée, il faut être concentré, il faut regarder à droite, à gauche, discuter. Et il y a souvent les gamins qui traversent, retrouver leur papa ou leur maman de l'autre côté. Et ouais, donc c'est toujours fois, il faut être super vigilant. Quoi. Toujours attentif et le soir, t'es mort. Quoi. Le soir, je suis vidé. Bon Lolo, merci pour cette super journée. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que j'étais bien assisté. Voilà, super quoi. Hein. Bah écoute, merci à toi d'avoir aussi encadré mes invités. Et puis j'espère que ça leur a plu. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, oui. Bon, elle est bonne. T'as compris la blague? Oui, la référence? Ouais. En tout cas, merci. J'ai envie de te faire un bisou parce que c'était super. Écoute, j'ai un peu d'émotion qui monte. Donc, je t'avoue. Ah non, pleure pas parce que sinon tu vas pleurer. Je t'avoue, je suis un peu ému. Merci Lolo. Et puis merci. Hein. C'était un plaisir. Oh non, je ne change pas. Merci à toi. Ça, c'est un grand homme, ça. Hein. Par la taille déjà. Et puis...